Wantika Malagas. Arugin tunturian na nye. Basekin tuntanit. Raphaël aussi, Christophe. Ouais. Prenez le dog, Christophe. Pour mon épouse, parce qu'à la maison, je fais jamais la vaisselle. Rico, il est marié après à 3 mois ici. Hein? Oui, Michel. Oui. Ah, capitaine. Et là, tu nous fais quoi? Truc-drac. Comment? Truc-drac. C'est quoi? Truc-drac. Canard. Ah, le canard. C'est le canard du jardin? Ah non, 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 pas mon canard. Pas mon canard. Lisa, c'est ma mère. Ah, ça, c'est ta mère? Chantal. De Agnès, sœur Figaro. L'autre là, c'est qui déjà? Il y a un autre là, il y a un complément alimentaire. Une dizaine de flacons que je dois donner aux enfants handicapés de la paroisse. Maison de la Charité. Bonjour. C'est le responsable de l'association Neuville Tiers Monde, dans le Nord, ouais, en Neuville en Ferrin. Il est arrivé hier matin, il part demain pour Sainte-Marie. J'ai dit donc il ne faut pas passer outre, il faut voir un peu nos enfants handicapés. Il faut leur dire bonjour, puisque tu es de passage, il faut en profiter. Parce que même si je ne leur donne pas beaucoup, je donne ce que je peux, ce que je gagne, je leur apporte. C'est une petite marosa, ma sœur, c'est qu'il y a, c'est qu'il connaît les fans à Vienne, il connaît ça comme un défi, 6 kilos, 3 kilos par carton. Il y a l'année qui serait une marathon, ma dindine qui est réunie. Oui, oui, merci, hein. Merci bien, merci bien. Merci bien.
filleule. Comment tu t'appelles? Sidonie. Maëlle. Christine. Bonjour Pierre. Tu fais un sourire? Yeah. Tu fais un sourire? Yeah. Tu dis rien à Pierre? Yeah. Un beau sourire. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Alors comment tu t'appelles? Avuta. Avuta. Bonjour Avuta. Merci bien. Bon voyage. Bon travail. Merci pour l'association. Merci. On espère encore plus de votre part. On en a besoin. Beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. On est parti pour l'île Sainte-Marie. Passer 2 heures de route et 3 heures de bateau. Le voyage a duré 4 heures et demie. Il y a 2 ans, c'était 12 heures. J'étais accueilli par les sœurs. Et je vais dormir dans leur petite chambre d'accueil. Et il y a déjà les enfants de l'orphelinat qui m'accueillent aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Alors ton lit, il est ici? Oui. Ah. Et ton lit, il est où? Il est où ton lit? Il est là. Hop, oh, il n'y a pas de matelas? Pipi dans le lit. Ah, t'as fait pipi dans ton lit? Oh. Je m'appelle Sœur Marie-Odile Malo, origine de Marouansette, province de Tamatave. Je suis la responsable de la communauté. Et vous êtes combien de religieuses? Six religieuses. Oui, il y a 2 qui travaillent dans le dispensaire, et une à l'école, Sœur Marie-Clairette, et Sœur Marie-Régine
avec l'école professionnelle pour le couture. Et moi-même avec Sœur Marie-Patricia qui accueille les gens qui viennent dans le parloir. Vous accueillez combien de filles? Parce que c'est qu'un orphelinat que de filles. Il y avait 32 filles de l'âge de 5 ans à 20 ans. Et quels sont vos besoins? Comment Neuville-Chiamont peut vous aider encore mieux? Quelqu'un qui nous aide pour faire nourrir les enfants. Bon, c'est à cause de ça qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider un peu à acheter de quoi vivre. Mmh. Ouais. Il y a pas mal de gens qui passent quand même pour donner un peu de fourniture scolaire. Mais pour le repas là, c'est quelque chose. C'est dur pour les enfants. Comme le riz c'est très cher, les malgaches mangent du riz matin, midi, soir. Alors, comme aujourd'hui, j'ai commandé 10 sacs de riz. Bon, ça c'est au début du mois d'août, il n'y a plus. Hein. C'est fini, il n'y a plus de riz. Donc c'est une aide financière pour acheter la nourriture. La nourriture. C'est ça la priorité? Oui, c'est ça la priorité. Je suis en compagnie de Sœur Clairette. Nous allons à l'école Saint-Joseph. Oui. Ça ? On va visiter les enfants. Notre enfant, ça commence en classe de petite section jusqu'en classe de terminale. Maman, vous m'avez un bonheur. Ils sont nombreux, hein ? Bienvenue à Sainte-Marie-Messie. Oui, toutes les fournitures, c'est l'école qui donne aux enfants, mais pour les parents, ils donnent un peu de participation. Ouais. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné à l'école. Merci pour le vêtement aussi. C'est qu'à début, hein? Oh, oui. Ah, oui, merci beaucoup. Pour la visite. Les enfants sont très contents. Oui. Avec. Ils sont très, très utiles pour nous. Oui. Oui. Merci. 3-0-0, 3 × 1, 3, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12, 3 × 5, 15. A potion? Yeah. A potion? Yeah. Makatata, makatata, makatata. Et là, c'est le soleil. Et ici La pluie. Mmh. Et ici, qu'est-ce qui est marqué ici? Là, c'est quoi ici? Oh là là, bravo! Très bien! 10 sur 10! Chéri écrit l'histoire, il enrichit notre savoir, il nous apprend la politesse. Cher ami, sachez bien que
maîtresse, c'est la clé de nos richesses. Quand je serai grande, je serai infirmière. Infirmière, oui. Et les autres? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien? Donnez-la. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, tu vas. Ah non! Il ne sait pas. Je ne sais pas encore. Parce que maintenant, il faut dès maintenant. Dès maintenant, qu'on est déjà, je vais faire ça quand je serai grande. Oui, le docteur, après, vous allez arriver à votre désir. Oui? Quand je serai grande, je serai un commissaire. Hein? Un commissaire. Commissaire, hein? Commissaire? Oh, oui, commissaire. Commissaire de police? Police. Ah oui? Quand je serai grande, je serai jardinière. Jardinière? Jardinière. Jardinière, oui? C'est bien aussi ça. Quand je serai grand, je serai un pilote. Un pilote, oui. Il y aura beaucoup d'avions à Madagascar plus tard. Ah oui. Et toi? Moi, je serai... Mais où est ton tablier? Les... Ah, mouillé. Oui. Moi, je serai docteur. Tu seras? Docteur. Docteur, oui. Quand je serai grand, je serai un docteur. Un docteur, tout le monde docteur alors. Quand je serai grand, je serai une police. Policier. Oui. Bon, ça va. Mais il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à votre désir là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien apprendre les leçons. Oui. Quand je serai grand, je serai directrice. Directrice. Vous allez répondre à ça alors. Comment est-ce que c'est? De quoi se nourrissent les poules alors? Le riz, le maïs. Les graines. Cinquième question maintenant, quels sont les différents éléments de la tête d'une poule? Oui, ma soeur. La bouche. Cinq. On va passer l'examen CEP. Comment ça? Le 27 août sera leur examen. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. À Air Madagascar. Ouais. Eh bien, tu vas réussir, tu as un beau sourire. Oui, moi. Marin. Oui. Et toi? Médecin. Oui. Qui encore? Cuisinier. Bien ça. Oui. Guide touristique. Ouais. Pilote avion. Pilote aussi. Donc le lycée, c'est combien d'élèves? 140 élèves. Je pense que plein d'enfants voudraient étudier ici. C'est bien expliqué, c'est il y a de la discipline. C'est pas comme tous les autres écoles et j'adore, c'est vrai. Après les bacs, ça dépend de la possibilité. Si on a la possibilité, on allait à l'université. Oui. Si on n'a pas la possibilité, on trouve des travail qui est à le niveau de notre bac. Oui. C'est ça. Et l'université, ça, c'est où? Ça dépend des choix. Hein. Ça ouais. Peut être à Matav ou à Tana. À Tana aussi. À Piana. C'est beaucoup de... Pour le passage de Monsieur de Christophe chez nous, il a resté 2-3 jours dans notre foyer, dans notre communauté. Il a vu comment les enfants et nos œuvres aussi. En tout cas, un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine fois, c'est lui qui va raconter qu'est-ce qui va se passer ici, dans notre foyer. Thank you.
Au revoir. Bon voyage. Merci beaucoup et à la prochaine fois. À la prochaine. Et merci pour tout ce que vous faites. En fait, j'ai dû partir précipitamment parce que l'avion a encore de l'avance. Je devais partir à 16h30. Yeah. Après, c'était 14h et maintenant, c'est 13h. Yeah. Ah oui. Il faut être là à 11h. D'accord. Donc, j'ai dû quitter la messe. En cas de nécessité, enfilez et ajustez comme ceci le gilet de sauvetage qui se trouve sur votre siège. Après 10 heures de route, je viens d'arriver à Tadar en dessous. Et direction chez les sœurs. À pied. Je vais à Ankasoubé. C'est quelle direction ? Vous allez prendre des 34. Merci beaucoup. Entrée, t'as les moules. Ouais. Et ah, ça sert à mais... Ah, où ça y sert. Ok. Il faut faire sécher combien de temps? Un jour, deux jours? Oui. Trois, quatre jours. Quand la pierre a séché, après trois jours? Cinq jours ou six jours. Cinq, six. 5-6 jours dans le feu. Ok. C'est après la cuisson qu'elle devient rouge. Le père du chauffeur, des policiers de la gare. Oui. Bonjour. De Tungui, Manapacha, Sasnak et Manakar, en retour s'il vous plaît. Attention au départ. La ligne ferroviaire RCE vous souhaite bon voyage. Salam.
Bruxelles, à 1h22. Est-ce qu'il est en train de vérifier? Vérification du frein. On est en train d'ajouter un wagon supplémentaire avec certainement beaucoup de bananes. C'est où le frein? Oui. Le frein, c'est où? Ah, Malakar. Ah, le frein. Ça, c'est le frein. C'est près de la voiture. Ah, bien, bien, bien. L'accélérateur, c'est là. Oui, c'est la locomotive. C'est la locomotive. Bonjour monsieur. Tu sais comme viande. Du porc. Tu chauffes. Ah, du zégu. Ah, du zégu. Voilà. Bye.
Radona. Oui. Jeune séminariste. Et de Pedro. Pedro, pardon. De Ziré. Ils conduisent donc à chez les sœurs Sainte-Thérèse. Madame. Madame. Boucha. Ça va, les comptes sont bons? Ah oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Allez, 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 est-ce que vous venez ici? C'est ta maison ici? Oui, ça, oui, ça. Hein? Ok? Ouais? D'accord? D'accord. Ici, ma madame. Ici. Ah, madame. Ok? Là, tu l'es pour le photo. Bonjour. Christophe. Enchanté. Le tabac. Ah, le tabac. Bonjour monsieur. Oh, bonjour, comment ça va? Ah, vous parlez français. Battle libre vocabulary. Oh. Vous parlez anglais aussi? Yes, I can speak the battle little. Oh, ok. When you want to speak to me, you can speak in English. French is your name? What is your name? My name is Boot. My last name is Nirin. And you can call me Boutou Nirin. Boutou Nirin? Yes, I come from Vangendran. And I live at South Bekarok and teacher there. At the CD of Bekarok. We are secondary school. Okay. And your English is so perfect. Huh? Your English is so perfect. Yes, English is my so perfect. Alors, vous êtes le chef du village. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? C'est la fête. Oui, merci. Malagache, malagache, malazé. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Alors, c'est beaucoup de gens ici pour danser, acheter quelque chose à manger. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je suis un peu plus de temps. On est sur la route de l'école. Ah, mais là, là, monsieur. Ah, monsieur, allez où? Il y a 15 km pour aller à l'école.
T'as mal au ventre? Voilà. Il a fait de la fièvre et puis des ballonnements. Si mettez une voix, il vient pour ça. Ça fait depuis 3 jours qu'il n'a pas de. Qu'il a des constipations et puis des ballonnements. 39 ou 4, la test de malaria. S'il n'était pas lu ou non. Tu mets une voix que tu as malgré. Il a 14 kilos. Le résultat, l'enfant a des palus graves. Oui, parce qu'il a des 3 barres. Il prend ça pendant 3 jours successifs, un comprimé par jour. Et puis, on lui donne aussi des antipyrétiques comme paracétamol. On lui donne tout de suite le premier comprimé. Aujourd'hui, parce que l'enfant est vraiment malade. La falfalenie, il faut m'en arracher à maman. Trente-neuf.
6 kg 400, 6 kg 700, donc pas assez de poids. C'est négatif parce qu'un bar seulement, malgré la température très élevée, peut-être cet enfant il a des parasites. Je donne l'antiparasite avec les antipyrétiques et puis des sirops pour la toux. Depuis ce matin, il y a combien alors? 10, 20, 22. Mais maintenant, le nombre de malades ça diminue un peu par rapport au mois de janvier, février, mars, avril. Mais ce n'est pas lui qui. Maintenant, ce n'est pas lui qui sont beaucoup. Quels sont les médicaments qui sont difficiles à acheter? Ce sont les antibiotiques pour les tubes digestifs. Là, c'est très cher, mais c'est les maladies les plus fréquentes. C'est à cause de l'hygiène de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Est-ce que tu as déjà vu le puits là-bas? C'est là-bas que tout le monde achète l'eau dans les bidons jaunes. Là. Ce sont les puits que les sœurs ont fait quand elles sont venues ici pour la première fois en 1963. Et jusqu'à nos jours, les gens viennent là-bas pour puiser l'eau. Il y a les nénuphars qui poussent. Mais avant, quand il y a les cyclones en 2013, ils ont mis le produit pour purifier l'eau et ça a tué les plantes. Mais là, maintenant, ils poussent et l'eau devient pure, quoi. Donc c'est bon signe. Oui. De Saqqara, la capitale du saphir, pour Tuléa. Chez les sœurs Sainte-Thérèse. Bel amour. Après les passes, je le
les touristes qui arrivent, c'est nous qui proposons et on mange en village. C'est ça le truc ici. En plus, il y a les langoustes aussi, poisson, poulpe, tout ça, c'est ça. Il y a des activités aussi pour les baleines. C'est maintenant la saison des baleines, c'est les touristes qui arrivent, c'est toujours sortir baleines avec nos suivis. Ah bien. Nous suivis manger des... Quand on va aller voir ça, il va manger. Ouais, c'est ça. Et allez Madagascar. Oh, en finale de la canne. Ouais, la finale de la canne, c'est ça. Voilà à Nosy Vé, quasiment seul sur l'île. C'est magnifique. Un petit coin de paradis. Pêche grand filet. Pêche grand filet. Un grand filet. Ouais. Et la tortue n'est pas protégée? Non. On peut manger? Ouais. Ah bon? On peut manger ça. C'est pas interdit ici. Pas interdit ici. Ouais. C'est pas comme la France et la Réunion. Massoumdoua s'appelle Massoumdouane. Baliza. C'est du bois de Baliza. Je suis famille de Baliza, s'appelle Massoumdouane. Donc ça, c'est pour donner une couleur rouge. Oui, il y en a rouge, il y en a blanc. C'est bon pour la peau ou pas? Oui, c'est bon pour la peau. C'est bon. C'est pas que pour protéger le soleil? Oui, pour le soleil. Ouais. Pour le soleil, c'est... oui. Il y a que les femmes qui font ça? Oui, oui. Les affaires maintenant pas trop. Alors je suis revenu à Tuléar et je vais donc au dispensaire de Ankalik. J'ai trouvé Sœur Blandine. Elle paye 2000 arrières comme participation. Et après ça, le malade passe au médecin. Et c'est le médecin qui donne les prescriptions. Après, le malade il revient ici à la pharmacie. Et c'est moi qui les a donné les médicaments et expliqué au malade. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer l'ordonnance. Ils payent normalement les prix des médicaments. Et celles qui n'ont pas assez de sous, et là on essaie d'équilibrer comme les prix, bien on baisse un petit peu les prix. Et celles qui vraiment on n'arrive pas du tout de l'argent, on donne gratuitement comme médicament. Thank you.
envoyé spécial. Fini. Dites-moi, c'est ce vieux Phelps? Tuez-moi. Vous ne baillonnerez pas la vérité pour autant. Oh, 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 pas de panique, qui a parlé de te tuer? Non, je vais tenir le journal. Je vous dis un grand merci pour votre aide dans toutes les dispensaires. On va vers Miard et la baie de... Le coton, ça n'a pas donné beaucoup cette année, c'est ça? Non. Il paraît qu'on n'aime pas d'eau. Ah, donc il y a trop de pluie cette année? Oui. Donc il n'y a pas beaucoup de il coton? Il y en a plus, hein, la pluie cette année. Et alors, on n'est pas... Voilà les champs de Mondok. Les gens sont en train de travailler. Salam. Salam. Tugashua. Ça va bien? Oui, ça va. Ah oui. Après la récolte, il fait les charrues. Après les charrues, c'est les bions. Après les bions, ils ont répiqué les tiges de manioc. On attend la pluie après. On a deux fois ou trois fois, on fait les sarclés. D'accord. On attend récolte. Salam. Salam. Javatu, azutu kana tsimba ale, kasi kiara sanjatu, barea, manu wanga no gaskiara. Avara gasi masnanana, gastifi avanana, avvontani andefana, barea fotu anana. Avara gasi masnanana, gastifi avanana. Se sont qualifiés en quart de finale. C'est une performance historique puisqu'on le rappelle une nouvelle fois, jamais Madagascar n'avait participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà. Thank you.
Oui, oui. Bravo. Sœur Rose. Françoise. Sœur Juliette. Sœur Adeline. Sœur Marcel. Et Solange. Et frère Christophe. 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 Ah non, on recommence. Encore une fois. Un, deux. Bravo! Bravo! Chaque bidon, c'est 500 RIA. C'est ça? C'est 5000. C'est 50. Pas mal. Il vire l'île à nous en défendant. Attention! Ta main! Aïe, aïe, aïe!